Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. League of Legends, ça faisait longtemps. J'ai pas abandonné Fiddlestick, mais je me mets un petit peu à brand support parce que quand même, ça fonctionne. Hein. Faut pas se le cacher. Fiddlestick, il y a des moments où je me sentais un petit peu ok dans le contrôle, mais un peu mou du genou dans le DPS. Et avec brand, ça va mieux. Hein. Un peu moins contrôle, un peu plus DPS. Et puis. Faut pas se le cacher, hein. Ce qui marche en ce moment en botlane, c'est soit on joue un tank, soit on joue un gros rentre-dedans qui fait du dégât et qui fait reculer les adversaires. Et moi les tanks, c'est pas mon truc, j'ai pas le talent pour. Généralement les tanks c'est au corps à corps et je suis très mauvais avec les champions qui doivent trouver leur chemin à travers les minions pour taper au cac. Souvent je me fais ridiculiser, les mecs me tournent autour et moi je passe mon temps à les poursuivre. Bref. Même si j'ai tenté une fois Léona. Je suis avec ma quasiment full team favorite, hein, Isa avec moi sur H, Ned qui est au milieu avec Yasuo face à un Z, et Seb qui est en top avec Garen. Et en face de nous, du grand classique Lulu Tristana. Ils ont un Rammus en jungle qui sera embêtant à un moment, mais voilà, faut pas non plus... Faut pas non plus délirer. Et puis surtout, avec ma capacité à le stun, éventuellement, ça peut calmer un petit peu son Q-spell et sa vitesse. Et ça commence direct en mid, après à peine quelques minutes de jeu. Zed et Yasuo décident de se rentrer dedans. Chacun ignite l'autre. Et le résultat, alors mis à part le fait que le Zed récupère le first kill, le résultat est une sympathique double mort. En bot lane, moi je suis parti Ignite plus que Exhaust, parce que franchement le Exhaust, sur le Z j'ai jamais le temps de le mettre, sur le Rammus ça va le ralentir un petit moment, mais pas tant que ça. Je trouve plus intéressant de pouvoir Ignite quelqu'un qui va ensuite mourir sous la tour. Ça m'apporte souvent le petit plus de dégâts que j'ai pas sinon, puisque je vais aller bien plus lentement niveau item que les autres, hein, parce que je farme pas moi. Et que du coup j'ai pas de gold, et qui dit pas de gold dit pas d'objet, et quand on joue un AP support, l'AP c'est justement un petit peu ce qui manque. Cette Ignite reste une menace que j'ai sous la main, et mes adversaires sont un petit peu obligés d'en tenir compte. Je m'entraîne d'une certaine façon avec Brand, ça veut dire que, comme vous allez le voir, hein, je place pas toujours les sorts où il faut, hein, je suis en gentille phase d'apprentissage. Il faut que j'apprenne la distance du Q-spell notamment. Pour l'instant, je démarre au Z. Donc, je démarre à la grosse zone qui va au sol. On fait un petit arrêt rapide sur une tentative. Alors, je pense que le Singed, il n'a pas vu sa mana. Parce que pour l'instant, il réussit des trucs vachement bien. Mais quand il a jeté Garen, en fait, il a épuisé toute sa mana. Et du coup, il a rigoureusement... plus rien pour survivre, ce qui lui coûtera la vie. Alors il faudra quand même qu'il m'explique Riot comment ils font pour prendre en compte les flashs, hein, parce que là typiquement il a flash pendant le coup de Garen et donc le coup de Garen passe quand même. Bon bah admettons, faudrait presque que je fasse des tests pour savoir s'il est utile de flash contre telle compétence ou telle autre compétence. S'il y en a, ben ça nous permet de les éviter, ou s'il y en a, qu'on met flash ou qu'on n'est pas flash, de toute façon on se prendra le coup dans les dents. Nous on leur a mis une bonne petite pression en bot lane, ils ont du back pour se régénérer. On est un petit peu low mana, mais je suis parti à la pièce antique, qui est quand même assez OP pour quiconque veut spam ses sorts et avoir quand même un petit peu de mana. Du coup, nous on back, et on laisse gentiment la vague s'écraser sous la tour et crever. Nous voilà de retour. Oui, je passe rapidement hein, sur les moments où il se passe rien.
Nous voilà de retour en lane. Vous voyez qu'ils ont réussi à push sans arriver sous notre tour. Ce qui laisse ma hache en bonne position pour farm tranquille. Et ce qui les oblige à eux à être bien avancés. Moi, je tente de l'époque du mieux que je peux. La Tristana se vide très vite de son mana parce qu'elle passe son temps à mettre des bombes, même quand derrière elle peut pas les faire gonfler avec des auto-attaques. Et j'ai vraiment l'impression que sur Tristana, coller une bombe quand tu peux pas derrière mettre 2-3 auto-attaques, c'est pas rentable niveau mana. Elle a mis une bombe, et ben c'est bien, voilà, la bombe elle va me faire quasiment aucun dégât, du coup elle a plus de mana, elle a plus sa bombe, il lui reste que Lulu pour se protéger. C'est le moment que choisit notre jungler qui n'est pas en vocal avec nous, qui s'appelle Infâme Chacal, pour venir. Malheureusement, il est vu. Et c'est dommage parce que sur le papier, j'avais réussi un bon truc, j'avais réussi à placer le stun, mais Kayn n'était peut-être pas le plus OP niveau jungler pour venir faire quelque chose en suivant, à savoir. En attendant, Tristana, ben, elle est bien dans la merde parce qu'elle a plus une goutte de mana, ça veut dire qu'elle ne peut plus bondir. J'ai Ignite la Lulu qui s'est shield, mais malheureusement pour elle, son shield a été vite bouffé par le Z de H et par mon dot. Et par l'Ignite. Moi je suis sur le papier en position de faiblesse parce que... on peut facilement me choper, mais Ashe est là, et de toute façon, la Tristana, elle vient de faire un petit bond qui a bouffé sa dernière parcelle de mana. Kayn le sait, il arrive à travers le mur, il lui saute dessus. Moi-même, je m'avance pour coller quelques coups, on sait jamais, hein, sur un malentendu. J'aime pas voir les gens survivre à un point de dégâts. Pendant ce temps, en mid, match viril Yasuo Z. Une tornade pour dépush un peu. Le Z s'est pris deux petits coups en avance. Yasuo traverse l'ombre, donc se fait pas toucher, mais il se fait ulti. Il place son mur devant, il continue à frapper pour recharger la tornade. Tous les deux ont été ignite. Et tous les deux meurent. Quel combat! On est plutôt bien niveau kill. On commence à prendre une petite avance pardon, niveau gold. On back et nous voilà de retour après le back. Il ne s'est rien passé de spécial entre temps. Ashe est en train de le tenir en respect. Isa a sa BF alors que Tristana n'a que sa pickaxe. Elle lui met quand même 20 CS dans la vue carrément. On est plutôt bien, notre Yasuo aussi, il a une BF. Moi je vais ward, je vais pink ward un petit peu partout. Je mets une ward très très loin pour voir arriver le Rammus. Je la mets à peu près au niveau de leur blue. Et je pète leur plante histoire qu'ils puissent pas la voir. Et Ashe n'a eu aucun problème. Pendant ce temps, elle les a même fait reculer. Le fait de me voir arriver par la rivière, ben, ça fait bondir Tristana. Elle aurait pu marcher aussi, hein, ça lui aurait pas coûté plus cher. Les revoilà sous leur tour. Isa a eu son niveau 7. J'ai volontairement bien entamé les casteurs, histoire qu'ils soient plus là quand j'allais attaquer. Et on commence l'attaque. Je suis polymorphé, je reste sur place. Je sais que je me prends la bombe, mais j'ai mon ulti. Et il n'y a plus de minions autour d'eux. C'est-à-dire que moi, je sais que mon ulti va ricocher de l'un à l'autre. Et du coup... franchement, ils auraient pas dû rester en face. Sachant que j'avais mon ult, sachant qu'il y avait personne autour d'eux, je serais pas resté puisque Tristana, même en faisant gonfler une bombe, elle m'aurait pas tué. Elle a pas encore assez d'AD pour ça. Au final, double kill pour l'ADC. On nettoie la wave. Je l'aide à bien entamer le canon pour qu'on puisse le faire disparaître rapidement.
Et nous voilà sur une tour qui était déjà bien mal en point. Personne n'est venu pour défendre. Je prends le first tower, je crois, sauf erreur, parce que je fais jamais trop attention. Ça fait partie de mes légers défauts. Pendant ce temps en mid, le Ramus saute sur Yasuo. Mais Ned s'en laisse pas compter, il fouette la tortue. Kayn se jette sur Zed. Yasuo rejoint le combat, il a la tornade, les deux sont alignés. Ça mérite une petite tornade. Un ulti superbe qui les laisse à très peu de points de vie. Et tellement peu de points de vie qu'en fait Ned se dit je vais y arriver. Malheureusement, Ramus, avec son Q-spell, le fait rebondir en arrière, bloque son auto et il se prend un coup de tour en trop. C'était vraiment pas grand chose. Nous, on décide de swap avec Seb. Donc Garen part en bot lane pour farmer tranquillement. Pendant que nous, on va aller en top lane pour essayer de prendre la tour. Et sur le papier en face de nous, on a un Singed. Vous pouvez voir qu'en fait, Ramus a passé une grande partie de la game pas au bon endroit. C'est-à-dire que quand l'action se passe en bas, il est en haut. Quand l'action se passe en haut, il est en bas. On l'a jamais trouvé hyper menaçant en fait. Il est tout le temps en réaction, il n'initie pas grand-chose. Alors que notre Kayn à nous est quand même toujours bien placé au bon endroit, au bon moment. Ici, le Singed commence à sentir que ça pue le pâté. Kayn est positionné derrière dans le bush. Il cherche un moyen de venir. Il engage, on y va tous. Le Kayn survit parce qu'il a réussi à sortir juste à temps. Il va flash devant Ashe et c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit Ashe qui se le prenne là. Du coup, moi qui voulais back, je reviens pour pas qu'il tue Ashe non plus. Histoire de le mettre un petit peu mal. Et qu'on puisse back tous les trois peinards. Pendant ce temps en mid, combat viril, Yasuo contre Zed. De l'ignite, du je te frappe. Oh, un ignite qui court. Mais ma foi, on s'en sort à quelques petits points de vie. Je quitte Ashe. Donc Isa va aller toute seule en top et moi je vais aller aider Garen en bot puisqu'en fait ils ont réussi à le ramener sous la tour. Et il faut à nouveau les effrayer pour que Garen puisse retrouver une amplitude de se déplacer et d'aller farm leur sbire à eux. Donc j'arrive, Tristana a jump alors qu'il n'y avait aucun danger sur elle et du coup elle a plus de mana. Seb leur court un peu après parce qu'il a encore cette manie terrible de courir après les gens avec un regard hyper vengeur et une grosse épée, même quand les gens sont très très loin. Je le laisse farm, je lui un petit peu warder. Zed arrive, il comprend vite qu'avec une double ward on sait exactement où il se trouve. Il met une pink, il enlève la nôtre. Et moi qui m'avançais parce que je pensais que Kayn allait sauter dans le buisson, bah finalement j'attends que Seb passe devant moi, je passe derrière lui. Et là on comprend que Zed s'est barré. Je déward et je rejoins l'équipe qui est en train de se battre à la rivière. Certainement pas mon combat le plus efficace. Kayn s'est fait jeter en arrière, il a peu de points de vie, je rate mon Z. Je lâche mon ulti, je pensais que Z allait arriver, et du coup Z n'est pas venu, ce qui fait que mon ulti n'a pas rebondi. Et Singed finalement flash à quelques points de vie. Je vais quand même y aller pour mettre un Z dans le buisson. Tant pis si je me prends un coup ou deux, mais le but c'est bien de les faire reculer. Et Isa était un petit peu loin en train de farmer en top, du coup elle a mis trop de temps à venir. On s'en tire pas trop mal, c'est con qu'on n'ait pas réussi en défoncer un. Pendant ce temps en bot lane, Garen TP parce que les deux pétasses elles sont sous la tour. Et en top, Singed TP pour essayer d'embêter Ashe. Le problème du coup c'est que Singed est parti sur un Rylai en first item et sa fumée à la con ralentit. Et ça devient pas évident d'arriver à s'échapper. Voilà, c'est toujours un champion qui une fois qu'il a un petit peu tanky reste assez efficace.
Je reviens aider Seb qui avait pris 2-3 petits coups. Il a pas vu que Kane passait à l'assaut, donc il a essayé de back, il a perdu un petit peu de temps. Du coup, les voilà les deux en train de poursuivre. J'essaye de dépush un petit peu tout en avançant. Rammus arrive, j'essaye de le stun et ça fonctionne. Malheureusement, les deux autres sont assez bas en point de vie. Rammus, je l'ignite, il finit par faire demi-tour et heureusement pour moi, ça suffit à l'avoir. Pendant ce temps, Lulu s'est fait gauler par Kane. Yasuo se lance à la poursuite de Tristana qui n'a plus de mana encore une fois. Malheureusement pour lui, Zed est venu la défendre. Une tornade, un ulti de Zed. Ned se dit je vais la voir. Et il comprend pas pourquoi il se fait gauler. Alors du coup j'ai fait ça au ralenti et en zoom. Pour que nous comprenions tous qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et là, vous allez voir, Zed va se retourner et va faire un petit coup de griffe. Petit coup de griffe. Voilà. Alors, j'en suis pas sûr. Je pense que c'est un critique. Isa retourne farmer en top. Moi, je retourne couvrir le bot autant que je peux. Garder les points stratégiques. Et venir faire un petit coucou aux Z. Éventuellement sur un malentendu. Il a la fâcheuse manie de lancer ses étoiles de suite après avoir fait son ombre. Et du coup, c'est très facile de deviner de quel côté partent les étoiles. Et il le fait à chaque fois. Je crois qu'il n'arrivera pas à me choper une seule fois avec son lancer d'étoiles à travers l'ombre. Isa a un peu trop attendu et toute seule, c'est clair que face à un Rammus, elle peut rien faire, quoi. Même fuir semble une option, comment dire ça poliment, pas très fonctionnelle. Heureusement, Garen et Kane sont arrivés pour venger. Tristana fait son ulti sur Garen, c'était pas forcément le plus pratique. Elle a pas bondi une seule fois, alors que franchement c'est peut-être la seule chose. Si elle avait réussi à bondir plus ulti, elle aurait peut-être mis assez de distance. Moi je suis en mid pour les empêcher de push la tour. Voir dans les corbins pour que Yasuo et moi on ait à peu près l'assurance qu'il n'y a personne qui se planque derrière et qui va jaillir avec un flash et éventuellement nous mettre mal, ou même un Z. J'ai pas vu la ward au milieu, je sais pas qu'elle est là. J'ai chié mon ulti parce que je pensais encore une fois que le Z allait être à côté de la Tristana et en fait pas du tout. Ça se joue à pas grand chose mais du coup mon ulti tape un champion et trouve personne autour et s'arrête. Et ça m'arrive deux fois ou trois fois durant la partie. Moi j'ai disparu de la carte. Voilà Ned et Seb en défense de la tour mid. Et Kane qui arrive, qui profite de l'ulti de Yasuo. Qui place son sort, plus l'ulti de H qui vient dans le Z au bon moment. Et ça fait le café. Du coup tout le monde poursuit. Le Singed qui aurait pu s'en sortir. Et curieusement, à un moment, il s'est mis à faire demi-tour. J'ai pas bien compris pourquoi. Mais bon, ce demi-tour lui a coûté la vie. Et voilà la fine équipe moins moi qui commence à s'éparpiller pour qui la tour, qui chassait le Rammus.
Là, je pense que le Kayn n'avait pas vu qu'il tankait la tour. Métavie. Il devait croire que c'était le Garen. Or, pourtant, je crois qu'il s'est pris 3 coups de tour avant de crever. On laisse la tour en vie, c'est dommage. Franchement, à 2 ou 3 coups, ça aurait pu faire quelque chose. Mais tout le monde se réunit. Et est-ce qu'une tour vaudrait 2 morts? Je sais pas, j'en suis pas sûr. On se replie tout en dépêchant. Z vient de voir qu'il n'y a plus les Corbins. On sera assez, assez clean sur le nettoyage de leur jungle en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'opportunité, on fait disparaître tous les mobs de leur jungle à eux. Et ils n'ont pas trop l'occasion de venir se balader dans la nôtre. Singed est en train de push bot. Ça prend un petit peu de temps. Et il manque un peu à sa team pendant ce temps, faut dire ce qui est. Moi, mon objectif, face à l'équipe comme elle est composée là, c'est de mettre Z le plus mal possible pour pas qu'il ait envie de all-in, et de garder le stun pour quand Rammus va arriver à fond les ballons. Et Tristana, elle a bondi, elle m'a mis une bombinette sur moi, sans auto-attaque derrière, du coup ça m'a fait 0 dégâts. C'est en regardant la vidéo tranquillement hein, et en analysant ce qui s'est un peu passé que je me rends compte qu'en fait la Tristana jouait vachement pas très bien. Et même au niveau des items, elle est partie sur une IE first. Ouais, sauf que du coup elle a pas vraiment de critique encore beaucoup. Isa, elle a quand même la faux spectrale, le Runan. Je veux dire, c'est quand même autre chose, quoi. Là, je venais pour essayer de coincer Singed avec Isa, sauf qu'en fait, sur le papier, elle n'a pas besoin de moi. Je suis juste venu prendre une assiste. Je pensais vraiment que le Singed allait continuer à partir vers son camp, et que j'allais pouvoir, à l'aide d'un ZA, arriver à le stun. Mais en fait, non, il a fait demi-tour pour attaquer Isa, certainement sachant que j'étais pas loin et que de toute façon... je serai là pour le crochet. Seb se fait avoir par le Z et sa capacité à être partout sauf là où on croit qu'il est. En tout cas, ils sont en défense pendant que nous, on passe notre temps à avancer chez eux. Moi, je reviens de ma première mort. J'ai complété l'item award, le liandry est terminé, et je suis en train de partir sur le Rylai. Là, je vois pas le Rammus, là. Personne voit le Rammus. Là, je comprends que je suis mort, mais ils sont tous là, et du coup, je lâche l'ulti, parce que je sais que l'ulti va passer dans tous mes petits amis, et Singed est complètement hors course. Tristana est plutôt blessée, et du coup, mes compagnons n'ont qu'à ramasser ce qui traîne. Si j'avais eu mon flash, éventuellement, j'aurais pu tenter ulti et puis flash par-dessus le mur. Mais ça m'aurait fait gagner quelques secondes à peine, et il y avait Tristana en plus, je suis pas convaincu que j'aurais résisté très longtemps. Singed back en regardant son inhibiteur disparaître. Je pense qu'il rêverait de prendre quelqu'un et de le lancer sous la tour, mais il n'avait pas encore son équipe avec lui. Et maintenant qu'il a, on s'en va. Là, on va faire un petit chassé croisé avec le Z et le Singed. On ward pour être sûr de les voir arriver depuis n'importe où. Isa s'enfuit parce qu'elle a vu le Z passer. Moi, je vise pas encore assez bien. Il va falloir vraiment que j'améliore ça. Par contre, Isa, elle a vu le Singed qui revient.
elle passe dessus, il flash. Du coup, elle ulti. La tornade ne le touche pas. On tente de le rattraper, mais il a trop de mobilité pour nous. Le Z est derrière le mur. Moi, je le sais, mais je sais pas où. Je sais juste comment bait ses shurikens à chaque fois, c'est tout. Donc un match nul, tout le monde s'en sort en vie. Sauf que Rammus accrochait Isa. Que Garen se lance sur le Z qui se prend l'ulti de Lulu. Je lâche mon ulti car tout le monde est regroupé, ça serait con de pas en profiter. Ça met Rammus suffisamment mal, le Z il ose plus avancer parce qu'il doit avoir 100 points de vie à tout casser. Pendant ce temps, nos minions défoncent gentiment les tours du Nexus. Ils ont oublié de se replier en défense. Le Z il ose plus rentrer, il y va finalement en ulti sur Yasuo. Il s'en sort parce qu'il arrive à revenir sur son ombre. J'arrive à mettre un minion entre Rammus et moi, ce qui fait que son Q-spell part dans le minion. Pendant ce temps, Yasuo réussit un superbe ult. Z revient avec plein de points de vie. Il s'est fait un poil ignite. Il se fait taper par tout le monde, il succombe. Il reste une tour, mais en fait on s'en fout de la tour parce que nous on veut des kills. Singed ressort. On est low, il n'y a que Kane qui peut éventuellement avoir suffisamment de points de vie pour tenir. Yasuo avait réussi à toucher Lulu, mais il n'a pas assez de vie, il tente pas d'ult dessus. Singed le noie dans sa fumée, le lance en arrière. Yasuo traverse une fois Singed, deux fois, il meurt dans la fumée. Il reste notre Kane, qui va entamer une jolie petite danse. Un flash qui malheureusement ne suffit pas à éliminer Singed, qui se met à tourner et à retourner, qui le jette en l'air pour retraverser sa fumée. Et le temps que Kane se réarme, bah arrive voilà, un Rammus, une Lulu, et le Singed survit. Et on manque cette occasion de finir. Et je me dis que là, par exemple, j'aurais dû taper la tour, en fait. Il leur reste une tour bot, et une tour top. Et deux tours top, pardon. On n'a pas vraiment enfoncé la top lane, au final. Même si vous voyez que là, il y a une bonne grosse vague qui arrive, plus Garen. Et que la tour top devrait tomber avant que Rammus fasse des siennes, même si sur la minimap on voit que Z se rapproche aussi du Garen. Garen obligé de back avant d'avoir pu s'occuper de la tour. Il faut arrêter Singed qui passe son temps à push bot. Isa et Kane arrivent, du coup moi je reste en arrière, je déward la ward qui est complètement derrière, et comme il passe à l'assaut, je m'occupe pas de la deuxième ward, j'essaye de l'arrêter sans y arriver. Il se planque dans le buisson, sauf que je l'ai déjà pré-wardé, du coup je sais qu'il y est, ça me permet de lui placer 2-3 attaques, de le laisser venir à moi. Isa passe dessus, malheureusement Rammus est venu entre temps. Du coup on passe sur Rammus qui est suffisamment tanky pour nous faire traîner un long moment. Isa déteste Rammus donc elle l'ulti. Moi je lui place un Z plus le E, il explose. J'aurais peut-être pu le laisser à Isa mais ils sont tellement résistants et ils arrivent tellement à se sauver à quelques points de vie que honnêtement quand on manie un Brand on a un petit peu tendance à envoyer toute la purée. Pendant ce temps en top, Seb et Ned ont chopé la deuxième tour et passent à la troisième. Il y a de l'ulti dans tous les sens. Malheureusement, Yasuo succombe. Et il reste que notre Garen qui tanque la tour, qui comprend qu'il vaut mieux partir avant que Singed ne vienne s'en mêler aux côtés de Z. Kane va
push un petit peu le mid et certainement essayer de taper l'inhibiteur, sauf que Zed et Singed arrivent pour l'embêter, mais du coup ils foutent la PAH qui détruit l'avant-dernière tour. Kayn n'arrive pas à s'échapper, il se fait ramener en arrière dans la fumée. Il ulti sur Zed avant d'essayer de partir, malheureusement il est ralenti. Il a plus de quoi passer à travers le mur et le temps que Garen arrive, il meurt. Singed jette Garen sur Zed, qui l'en remercie. Zed obligé d'utiliser son ombre pour flash, mais se prend l'ulti de H, qui passe encore une fois sur Rammus avant de changer d'avis. Sauf que, heureusement pour nous, on est à côté. Rammus finit par partir parce qu'il n'y a pas que H. Il utilise même son Q-spell en laissant Lulu toute seule. Tristana fait un superbe bond pour rien. J'arrive à lui placer un E qui lui enlève un tiers de sa vie. Les voilà sous la tour. Bel endroit pour un ulti que je n'ai pas encore. Isa a terminé mon boulot. Le Rammus, je le E et puis j'essaye de le Q-spell pour le stun autant que possible. C'est pas toujours évident, il est rapide le gonze. Je m'occupe cette fois-ci de la tour, on fait pas deux fois la même erreur. Et je réduis la capacité du Nexus tout en essayant de faire autant de dégâts que possible de zone. Et c'est là que le Singed me prend pour cible et que je vais essayer de survivre au Singed. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais je tiens bien, je tiens un bon moment. Alors il est plus rapide que moi, hein, donc j'ai beau lui coller des dots et tout ce que vous voulez, j'arrive à le tuer, mais... pas non plus assez résistant pour survivre aussi longtemps contre lui. Et on n'a pas énormément de CC dans la team. Et c'est comme ça qu'on termine.